Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Bien, salut tout le monde, c'est Yogar. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur GTA 5 Online. Aujourd'hui les amis, on va tester l'oppressor, donc la moto volante. La fameuse, hein. Alors, aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous faire cette vidéo car maintenant j'ai un PC gamer. Donc je voulais faire des vidéos sur des jeux un peu plus volumineux, vous voyez, qui nécessitent plus de 3D et tout. Par exemple, GTA, même CSGO. Avant ça buguait beaucoup sur CSGO, hein, du coup. Maintenant je vais pouvoir faire des gameplays de meilleure qualité. Des montages de meilleure qualité aussi, peut-être. Et puis, écoutez les amis, c'est tout pour cette explication. Place à la vidéo. Alors l'oppressor est une moto volante, c'est un mélange entre un avion et une moto. Et vous voyez à l'arrière un petit réacteur suivi d'ailerons un peu plus à l'avant. En gros, cette moto, elle a une mitrailleuse, un lance-roquette, mais ça je sais pas comment l'activer, des ailerons et un boost, donc un réacteur. Et donc pour activer le réacteur, on appuie sur E et ensuite on va lever avec la touche 5 sur Numpad. Vous voyez, ça plane, mais au début avec le boost ça vole. On va essayer d'atterrir sur la route en douceur. Oula, tranquille. Oh. Bon. Oh la vache. Vous êtes témoin là, elle s'est redressée toute seule. Non, faut pas atterrir là-dessus. Après, on pourra plus sortir. Allez. Oh bah tiens, on va atterrir là-bas. C'est un bon spot, ça. Non, pas du tout. Je retire ce que j'ai dit. Il faut pas du tout qu'on atterrisse dans l'eau, sinon je perds ma moto. On va descendre. Oh oui. On va descendre, c'est plus prudent. Et zut, je me suis encore coincé entre des barricades. Enfin, entre un grillage. C'est pas très important. On va ressortir les ailerons et on va y retourner au boost. Alors, faut vraiment prendre de l'élan parce que sinon on va se prendre le grillage, ça va faire bon. Si vous voulez la référence de mon ordi, c'est un Asus FX 502V avec un Intel Core i7, 8 Go de RAM et une GTX 1060. Franchement, c'est pas mal ça, c'est pour faire tourner GTA. Là, je tourne à 60 FPS en enregistrant. Donc c'est vraiment bien, je trouve. On a réussi, je suis super fier de moi. Bah, il faut dire ce qui est, c'était un beau rattrapage. J'ai bien cru qu'on allait encore crever là. Merci ma roue. Allez, sur le pont. On tente? Allez, on tente. Ouais! Ouf, bien joué. Puis on va repartir en volant. Allez, entre les. Allez, et une barricade. Je suis choqué. Ah, c'est bon, ma moto elle est pas loin. Non, parce que généralement ils foutent ma moto à le bout de la map. C'est pour ça que je préfère prévenir. On va récupérer notre moto. Juste ici. Oh non, elle est sur le pont.
Bah écoutez les amis, tant pis pour la moto, j'irai la récupérer après. En attendant, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou même partager, ça me ferait super plaisir. Puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! Say what's up, America? Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my, oh, and shout out to that one.